Nous allons vous présenter un album d'aventure pour orchestre d'harmonie de Søren Ulgaard. Introduction, le noble poète. Le thème du poète, il s'agit d'une brève mélodie au caractère noble qui sera associée à Andersen tout au long de l'œuvre. Cette composition relate les aventures du poète national danois et tout comme ses contes imaginaires, celle-ci dépasse l'imagination. C'était un homme qui avait l'habitude d'être éreinté par les voyages en charrette sur les chemins caouteux et il considérait donc la locomotive à vapeur comme un véritable bienfait. Cette partie ambiguë est une description libre des notes enthousiastes de l'écrivain qui mène l'auditeur à partir de la gare locale vers l'Europe méridionale et les paysages exotiques du Proche et Moyen-Orient. Thank you.
vie aux allumettes. Dans l'un des contes les plus tristes, mais aussi les plus populaires d'Andersen, une jeune fille tente en vain, le soir du réveillon du Nouvel An, de vendre quelques boîtes d'allumettes. Les hommes d'affaires, fort occupés, ne la voient même pas, tandis que la fille rêve d'une maison chauffée et d'une table bien garnie. Dans la lueur des allumettes, elle a une vision. Elle voit sa vieille grand-mère au ciel, qui accueillera bientôt une nouvelle âme, dès que la dernière allumette sera éteinte. Thank you.
Constantinople. Le Bazar Ben Poet est l'un des contes les plus édifiants de Hans Christian Andersen. Sa description des marchés de Constantinople est très romantique, bien plus poétique que réaliste. Émerveillé comme un enfant dans un magasin de bonbons, Andersen décrit les parfums de toutes les espèces de thé exotiques, d'encens et de toutes sortes d'épices. Au lieu de se limiter aux harmoniques propres au Moyen-Orient, il a plutôt écrit ce mouvement dans la tradition d'une convention théâtrale hollywoodienne. Il a donc eu recours aux clichés traditionnels des marchés persans et des décors de Mille et Une Nuits. Christian Andersen, bien que l'on n'y trouve pas beaucoup de détails dans son journal. Toutefois, sa grande passion pour la célèbre soprano Jenny Lind est légendaire. À l'époque, Madame Lind était une véritable star et on l'appelait le rossignol suédois. Cette appellation a bien pu être la source d'inspiration pour le conte de fées chinois d'Andersen, le rossignol. Le poète se trouvait plutôt rustre et ne se sentait pas du tout l'étoffe d'un don juan. Le compositeur n'a pas pu s'empêcher de représenter le poète et la cantatrice de ses rêves dans une grande salle de bal. Le poète essaye de guider sa douce amie, mais il trébuche avec ses trop grands pieds et la danse tourne en véritable cauchemar. Espérons que chaque auditeur et musicien participera à cet embrouille musical où l'on essaye continuellement de poser le bon pied au bon moment tout en tâchant de garder l'élégance romantique. Avez-vous déjà dansé sur une mesure de 7/8 ?
Le briquet. Voici une version danoise de l'histoire d'Aladin et de sa lampe magique. Anderson réjouit ses compatriotes avec le briquet, l'histoire d'un joyeux soldat qui est trompé par une vieille sorcière et qui descend dans un tronc d'arbre creux pour retrouver son vieux briquet. Grâce au pouvoir magique, le soldat échappe à trois chiens de garde et il comprend qu'il y a quelque chose de louche avec ce briquet. Il coupe la tête hideuse de la sorcière. Ce n'est que le début du conte, mais est-il nécessaire de raconter la suite d'un conte tellement connu? Si vous ne savez pas la suite, il n'y a qu'une chose à faire, lisez ce conte de fées. Thank you.